le feu sur le mont Carmel. Et donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous comprenez donc, comme on parle d'un événement qui est extrêmement brûlant, c'est le cas de le dire, toute précision au-delà de ce que je dis serait de l'impudeur, surtout que ça peut viser des gens, et donc on reste dans le flou le plus total. En tous les cas, vous le savez, ça fait des années que je vous le dis, ça fait des années que je le répète, des années que je l'enseigne, rien, mais strictement rien de ce qui se passe dans le monde en général, et à combien plus forte raison dans notre peuple, et à combien plus forte raison sur notre terre, rien ne peut passer à côté des allusions de notre Torah. Et en particulier, lorsqu'il s'agit d'événements aussi inimaginables qu'un feu pendant la fête des Lumières en Israël, vous imaginez qu'il est absolument impossible qu'il n'y ait pas des allusions dans la Torah. C'est vrai que, comme le disaient déjà les prophètes, ils ont des yeux pour voir et ils ne voient pas, des oreilles pour entendre et ils n'entendent pas. Des fois, on a véritablement le soleil devant les yeux et à force d'être ébloui, on a l'impression d'être dans l'obscurité la plus totale. C'est un petit peu ce à quoi on ressemble face à la Torah. Tout est tellement clair, mais c'est trop clair et c'est pour ça qu'on ne le voit pas.